Bienvenue à bord. Le Périscope accompagne le SPO Rouen au Kind Arena. C'est parti. Le SPE Rouen reçoit Boulogne-sur-Mer ce vendredi en Pro A. Il ne faudra pas se démobiliser. L'enjeu, c'est de se rendre magnifique alors que tout est fait finalement pour qu'on puisse se relâcher. Les Rouennais sont prévenus. Pour se maintenir, il faudra gagner. Il serait dommage de sortir de cette fin de saison-là avec un goût amer dans la bouche, le goût du travail pas bien terminé. Pas branché sport ? D'autres sorties pour vous, juste là. Théâtre et danse avec Raging Bull à la Chapelle Saint-Louis. Émotion forte avec Avant que j'oublie au Théâtre des Deux-Rives. Visite insolite de l'exposition Trésor de Sienne. Wow, gratuit pour les étudiants. Tout de suite, un rendez-vous à ne pas manquer pour vous mettre la carafe en ébullition. La recette d'une soirée réussie ? Prenez une dose de folie, une louche de philosophie et une assiette cuisinée sur place. Le résultat ? Un rendez-vous de la cervelle, bien sûr. L'Université Populaire, présentée par Fred Touche, revient lundi 27 avril à la salle Sainte-Croix-des-Pelletiers. Le sketch de la vache folle, mais c'est pas de sa faute. C'est à cause de Crossfire Jacob. C'est particulier. Armel Richard, la caution morale de la soirée, donnera une fois de plus le change à Fred Touche. Excellente soirée en perspective. Ce n'est pas François Rollin, invité du mois dernier, qui dira le contraire. Je dis des ménestrous pour... Oui, pour que le jeu de mots soit plus facile. Des sorties encore. La suite de notre sélection. Baptiste Beaulieu présente son dernier livre à l'Armitière. La voix suave de Sushi Laraman envoûte le Hangar 23. Deux festivals en une soirée avec le Courtivore et À l'Est du Nouveau. C'est tout pour cette semaine. Allez, salut, on se perd pas de vue.